Line Factory, c'est tout d'abord un incubateur, mais aussi un accélérateur donc à start-up. Et c'est surtout bien travailler l'accompagnement des start-up. Nous sommes aussi des investisseurs privés, c'est-à-dire que quand évidemment ils ont besoin de fonds, notamment dans la période la plus difficile à la création, ce qu'on appelle l'amorçage, et bien donc nous intervenons directement dans le capital de ces start-up ou de ces projets d'entreprise. On concentre vraiment toutes nos actions, parce que nous sommes normands, en Normandie, pour des entrepreneurs et des start-up normandes, dans le but de les développer. Donc nous avons aussi investi et accompagné des entreprises, donc des start-up qui sont havraises, qui sont cannaises, qui sont dans l'heure, dans le numérique, le prédictif climatique, donc différents domaines. Ça peut être du service autour de l'immobilier. Il y a tellement de richesses maintenant autour de ces jeunes créateurs d'entreprises, ils ont tellement d'idées que de toute façon, ils vont tout révolutionner. J'ai créé il y a presque 2 ans les boîtes à Lulu Cadeau Pointu, qui est une start-up qui commercialise un coffret cadeau pour les enfants, inspiré du principe de fonctionnement Smartbox. En fait, vous offrez le choix d'un cadeau à l'enfant que vous voulez gâter. Nous avons créé WePetCity.com, un site de services de garde d'animaux de compagnie entre particuliers, avec des services adaptés comme la garde chez le gardien, la visite à domicile chez le propriétaire ou encore la promenade de chien. Nous mettons à disposition aussi nos moyens, nos infrastructures, nos équipes, les équipes de mon groupe, par exemple PGS, de sorte d'amener beaucoup de services et de compétences pour ces jeunes créateurs d'entreprises. On a été un peu dépassé par le succès de la N Factory, même si nous n'avons fait aucun communiqué de presse, etc., parce que nous sommes dans un milieu qui est viral, c'est-à-dire que quand vous agissez de manière bienveillante, comme le disent souvent les jeunes, ce mot est très important, et créé par des entrepreneurs, ça fait vraiment toute une différence. Mon associé d'origine, Alexandre Martini, qui est le directeur des écoles du campus Saint-Marc, là où nous sommes, place Saint-Marc, donc nous a fait un petit peu de place pour aménager de manière provisoire des surfaces à disposition de ces jeunes start-up. Mais bientôt, nous aurons le plaisir de déménager au fameux hangar 107, donc juste sur les quais de Seine. Mon but, c'était aussi donc de me rapprocher au sein de la N Factory, un peu de ces jeunes, peut-être même rester jeune au fond de moi d'ailleurs, mais surtout pour bien comprendre tout ce qu'ils allaient révolutionner et mettre en place. Ils sont collaboratifs, c'est vraiment une nouvelle économie collaborative. Et là, on peut progresser tant eux, les aider eux à progresser plus vite que nous. Alors que si finalement, on ne travaille pas avec eux, dans tous les cas, même les métiers qu'on croit les plus sûrs risquent d'être balayés et révolutionnés. Contrairement à nous, un peu plus dans le passé, quand on avait une idée, le but c'était de la garder un peu confidentielle parce qu'il fallait faire attention. Et eux maintenant, dans le collaboratif, c'est quelqu'un a inventé un code ce matin en Chine ou aux États-Unis ou en Asie, peu importe dans le monde, ils le partagent. C'est ce qu'on appelle l'open source. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je ne crois plus de toute façon à une manière de fonctionner en silo. Plus on a une vision globale, plus on peut fédérer d'ailleurs autour de nous. C'est ma règle, c'est que ensemble, on va plus vite et on va plus loin.